J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo assez particulière. Je crois que l'année dernière, je ne l'avais pas faite et c'est tout simplement 5 petites idées cadeaux que j'ai trouvé sympa de vous montrer pour les dernières personnes voilà, qui ne savent pas quoi offrir pour Noël parce que bien évidemment, ça arrive à grands pas. Donc, je vais commencer de suite. Donc, vous verrez qu'il y a des choses assez originales comme des choses assez simples mais qui plaisent tout le temps. Donc, je commence tout de suite avec le premier cadeau. Tout simplement pour les personnes qui aiment le thé, leur offrir un petit coffret de thé. Donc moi j'en ai deux à vous proposer qui sont vraiment super sympas. Je vous mettrai les prix juste ici parce que de tête je ne les ai plus. Donc en fait c'est de la marque Fit Team. Après vous pouvez très bien choisir d'autres thés. Là c'était ceux-là parce que j'ai trouvé sympa en coffret. Donc je vais vous en montrer deux. Donc soit vous avez ce petit coffret là en fait tout simplement qui est fourni avec un petit Fiti en thermos et un thé en vrac. Donc là c'est un thé body detox, mais après voilà, vous choisissez le thé que vous souhaitez. Et en fait c'est une thermos qui a à l'intérieur en bois. Et je trouve ça super sympa, voilà, parce que pour quand on va travailler ou quoi que ce soit, et ben, on met son thé à l'intérieur. Je vais vous montrer, vous mettez votre thé là-dedans et après voilà, il s'infuse dans la thermos et franchement je trouve que c'est une super idée de cadeau. Moi je sais que ma maman aime beaucoup le thé et ça pourrait vraiment être une super idée de cadeau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est à des petits prix et ça peut toujours faire plaisir. Et le deuxième coffret, c'est dans une petite boîte verte que vous recevez ça avec écrit Merry Christmas. Donc c'est vraiment la, voilà, le coffret pour Noël. Et donc dedans pareil, il y a un thé. Donc lui c'est le Fit Berry qui est super bon. Il a le goût de fruits rouges, il y a même des framboises séchées à l'intérieur, etc. Et je trouve ça vraiment délicieux. Et avec, il y a bien évidemment la petite poire qui est fournie. Donc une petite poire comme ceci avec le repose-poire. Et je trouve que voilà, ça peut être super sympa parce que voilà, si vous offrez le thé, mais que, et comme c'est du thé en vrac, mais que la personne n'a pas sa petite boule en fait pour faire infuser son thé, et ben là l'avantage c'est qu'elle a autant le thé que la petite boule. Et je trouve que ça fait de super idées de cadeaux. Deuxième idée de cadeau, c'est de la marque, enfin c'est du site Cheers. Donc moi je sais pas si vous le savez, mais j'ai fait un mur en cœur en fait avec des photos Polaroid dans mon salon. Et en fait, pour être honnête avec vous, j'ai commandé ça pour ma soeur. Bien évidemment, c'était moi qui l'ai payé, hein. Donc en fait c'est vendu dans une petite boîte comme ceci. Donc en fait j'ai emballé tous les cadeaux sauf ça parce que je voulais vous le montrer dans des idées de cadeaux. Et je vais vous l'ouvrir. Et c'est tout simplement des aimants pour coller sur le frigo. Et j'ai trouvé cette idée super, super sympa. Donc par exemple voilà, j'ai fait imprimer ma soeur et moi des photos avec toutes ses copines, des photos avec ma nièce, des photos avec ma maman, etc. Et je trouve que c'est des super idées de cadeaux qui coûtent 3 fois rien. Je crois que j'ai payé ça 12 € avec les frais de port. Et je trouve qu'avec la petite boîte ça peut être un petit plus. Et franchement je trouve que c'est des super idées de cadeaux. Donc voilà, je vous conseille d'aller sur le site Cheers. En fait c'est l'application via votre téléphone. Et vous avez beaucoup d'idées de cadeaux. Vous avez carrément des cadres. Vous avez des, ben, pareil, la box pour Noël. Vous avez des photos que vous pouvez imprimer vous-même façon Polaroid pour celles qui adorent les murs en cœur ou quoi que ce soit. Et je trouve que ça pouvait être vraiment une super idée. Quatrième idée de cadeaux, c'est par exemple pour les personnes qui aiment beaucoup s'hydrater, tout simplement leur offrir des petites crèmes pour les mains, pour le corps, pour le visage ou que sais-je. Donc là c'est de la marque Adopt, je crois que je vous en avais déjà parlé mais j'ai trouvé ce concept vraiment sympa. C'est un petit coffret qui coûte 3 fois rien, pareil je vous mettrai le prix juste ici. Donc c'est des petites crèmes qui sont à la murfigue, musque de rose, petite amande et pêche abricot. Et celle-ci, la pêche abricot, sent vraiment le velouté fruits, je pense que vous voyez un peu l'odeur que ça a. Et franchement je trouve que ça fait des super idées. Même par exemple pour votre soeur ou votre maman, en complément de cadeau par exemple, vous achetez un petit coffret et vous en offrez deux pour une personne et deux pour une autre. Et je trouve ça vraiment super sympa et vraiment c'est des tout petits flacons qu'on peut mettre dans un sac et je trouve l'idée vraiment super. Et cinquième idée de cadeau, c'est ma grande lubie en ce moment. Je ne sais pas pourquoi mais c'est tout simplement, alors attendez c'est assez lourd, des livres de cuisine pour les personnes qui adorent cuisiner ou tout simplement qui n'ont jamais d'idées pour cuisiner. J'ai moi-même me suis fait plaisir en m'achetant des livres de cuisine parce que je trouve déjà que dans une cuisine c'est magnifique. Et en plus de ça c'est des super idées parce qu'il y a toujours, voilà, quand on sait pas quoi cuisiner et qu'on a des ingrédients dans le frigo ou on sait pas comment les mijoter, etc. Je trouve qu'avoir un livre de cuisine c'est le best-seller.
Donc moi, celui que je vous conseille, c'est La Grande Cuisine de Larousse, le grand livre de cuisine de Larousse. Donc c'est un livre qui est assez grand, je pense que vous voyez à ma tête, et assez épais. C'est un livre qui coûte 24,95€. Moi je l'ai trouvé chez Cultura pour les intéressés. Et vraiment chez Cultura, vous avez vraiment des petites pépites. Je me suis aussi acheté le livre Bootcamp de je ne sais plus son nom, mais c'est pour voilà réapprendre à manger, avoir des idées, etc. Voilà, pour des personnes de votre famille ou des copines ou quoi qui veulent faire attention, qui veulent faire un régime, mais voilà, qu'elles en ont marre d'avoir de pas avoir d'idées. Je trouve que ça peut être des super idées. Et celui-ci, vraiment, il y a 530 recettes à l'intérieur, mais il y a vraiment de tout et il est super bien fait. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Donc là je vous montre une page qui est comme ça, donc je pense que vous voyez bien, et je trouve ça, mais même les photos sont super jolies. Cake au thon et au citron confit, cake aux champignons et reblochon, petite tarte au fromage et au lardon, tarte au fromage frais, quiche au comté, tomate cerise. Et en fait, il y a vraiment de tout. Vous avez des apéritifs, des salades, des... qu'on appelle ça? Si vous voulez cuisiner des petits repas super rapides le soir, les bons petits plats du dimanche, quand vous n'avez pas le temps de cuisiner, quand vous voulez garder la ligne, du verre dans les assiettes, recevoir sans stresser. En fait, il y a vraiment, mais vraiment, vraiment beaucoup de produits, enfin d'idées à l'intérieur. Et moi, je trouve qu'un livre de recettes, honnêtement, on m'en aurait offert un il y a quelques temps. J'aurais peut-être pas aussi bien... Enfin, j'aurais peut-être pas été aussi contente que maintenant. Mais voilà, même là, Noël, on m'offre un livre de recettes. Mais je serais vraiment super contente parce que j'adore ça. Je sais pas pourquoi, il y a des moments où vous savez, vous adorez des produits que vous faites que acheter, 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 acheter. Et bien moi en ce moment c'est les livres de recettes. Et j'avais trouvé aussi celui-ci chez Stokomani. Et voilà, vous voyez, vous pouvez vraiment même dans des petits magasins qui coûtent 3 fois rien. Je crois que je l'avais payé 3,99€ ou 4,99€ alors qu'il coûte 14,90€ dans les autres magasins. C'est Denis et Valérie Boulet vous invitent à venir déguster à table leurs 20 recettes créatives. Et après il y a 20 recettes authentiques. Et en fait c'est super bien fait à l'intérieur. Je vais vous montrer tout ça. Donc par exemple ça c'est les penne au fromage. Donc le livre se présente comme ceci. Donc il y a des super photos et c'est super agréable à lire. Donc par exemple les penne au fromage de Denis. Et donc ça vous explique combien, pour combien de personnes c'est. Après ils vous disent voilà, il y a des petites phrases qui sont assez marrantes. Et je trouve que c'est de super idées de cadeaux. Je crois que j'en ai pas vu sur les chaînes de donner des idées de cadeaux, voilà, de cuisine, etc. Parce que c'est bien beau la beauté, mais voilà, ça n'intéresse pas tout le monde non plus. Et même pour des hommes, les hommes qui aiment cuisiner, je trouve, mais moi j'adore. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà les filles, ma petite vidéo sur mes idées de cadeaux est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Bye bye !